Le prix du meilleur documentaire anti-Guyane est décerné à Jerry Spartacus pour les chaussures dorées. En fait, c'est mon premier film, donc c'est pour ça que ça me touche beaucoup. Beaucoup d'émotions et de surprises hier soir. Après le meilleur documentaire, place au court-métrage, le prix du public a été décerné à Sarah Maléon pour son film Doubout, déjà prix de cours 2019, mais pas de quoi faire perdre pied à son acteur principal. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va, je ne vous ai pas demandé. J'espère que ceux qui n'ont pas vu le film vont l'apprécier et que ceux qui l'ont vu vont être contents de le revoir. Il nous a pris du temps, mais ça fait du bien de le revoir. Ça montre des choses qu'on peut améliorer, des choses qui ont été bien faites. Et ça montre le travail réalisé par tout le monde. Je laisse la parole à la réalisatrice. Applaudissements aussi pour Mark Silver, Johnson Lowe et Alfred Alexandre avec leur projet de film Le Cimetière Marin. C'est vraiment une surprise, je vous avoue, même si on va faire comme si moi t'es ça, vous pas t'es ça. Ok. Bon. Et je suis très très fier, surtout que ce film-là me tient à cœur. Je tiens à remercier M. Alfred Alexandre. Que je vais inviter à monter. Il remporte une bourse de 14 000 euros et l'accompagnement de Tropicatrium. Ça méritait bien une arrivée en petite foulée. Le cimetière marin, c'est une variation autour du poème qui s'appelle justement le cimetière marin de Valérie. Et donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois et donc je suis très content. Enfin, on retiendra l'émotion de Muriel Bedeau qui représentait l'équipe du film De chair et de regard, prix anti-Guyane des courts-métrages. Excusez-moi, bonsoir. Je ne m'y attendais pas du tout, donc j'ai les jambes qui tremblent. Beau palmarès avec également des films brésiliens, mexicains et cubains primés. Avant de refermer cette 14e édition, clin d'œil à ceux qui ont œuvré en coulisses. Cette année, plusieurs bénévoles ont donné de leur temps pour encadrer, accueillir, photographier, partager ces rencontres cinéma. C'était la première fois qu'on faisait ce type de bénévolat. Oui. On était en charge de la Gazette, donc c'était quotidien, il fallait rédiger le journal, parler des événements importants. Donc c'était pas évident, mais c'était une bonne expérience quand même. Comme je disais, on a un amour du cinéma, de la culture. On a envie de cultiver cette passion pour le cinéma. Et puis ça nous permettait aussi de découvrir plus en profondeur cet univers, d'être en lien avec des professionnels de l'audiovisuel, avec des personnes dans le milieu. Donc voilà, c'était une opportunité à ne pas rater, je pense. Il faut être à flux tendu, en fait. Et c'est une autre organisation, c'est une autre façon de voir les choses et du coup, il faut s'adapter. C'était l'occasion de voir comment s'organiser un festival, de rencontrer tous les gens qui pouvaient y participer, que ce soit les invités, les gens qui font le cinéma, que ce soit les personnes qui travaillent à Tropicatrium et à Madiana, et puis bien sûr les spectateurs. Donc c'était aussi le goût pour les rencontres. Pour les prochaines rencontres, il faudra sans doute attendre la 15e édition, mais en attendant, le cinéma vous tend les bras toute l'année pour un regard sur le monde entier.